Salut tout le monde. Là, réveil difficile. Aujourd'hui, excursion. Donc, ça fait une bonne paire d'années que j'ai pas fait ça. Donc, c'est à 42 ans que je décide de monter à ma fat avec toute la petite famille. Et voilà quoi. Donc, voilà. Donc là, appareil photo, sac, drone, barre de céréales. Ici, on est à la plaine des CAF. Donc, on est quand même à près de 2 heures de voiture du lieu principal où on va décoller tout à l'heure. Donc, c'est Col des Bœufs. Donc, on va aller du côté de Salazie. Donc, ici, on est à 1600 mètres à la plaine des CAF. On va se diriger à l'opposé de l'île. On est dans le sud. On va aller du côté du nord-est. On va dire ça comme ça. Donc, sur la commune de Saint-André, on va monter Salazie. Donc Grand Ilette et après Col des Bœufs. Là-bas, il y a un grand parking et on va commencer tout notre périple à partir de cet endroit. Je vous emmène là-bas le temps de boire un petit café et puis on se prépare et on prend la route. Allez les amis, tout à l'heure. Salut les amis, c'est parti. Là, il est 6h du mat, direction Salazie. Hé hé, calme, où ça c'est la balle? Ma fat. Ma fat. Allez, dans ma fat. La Salazie avant, première pour nous et. Dans tout là-haut. Bye bye. Allez, go. Salazie, 11 degrés, nous a dit Johan Beck tout à l'heure. Ça va se réchauffer au cours de journée, puisqu'à Salazie, c'est après-midi. Ça y est, on est sur la route. Là, on va sur Salazie d'abord. Donc, Col des Bœufs normalement. Donc, du côté de Grand Ilette. Donc, on parcourt doucement cette route. Il y a tous nos compagnons qui sont derrière avec les voitures. Et puis, voilà, doucement, on va y arriver. On n'est pas encore arrivé, on est ici au Col des Bœufs. C'est Marine. Christian. François. Bonjour. Café. Internet. Ah non. C'est que le début, hein. Allez les amis, direction Mafat la nouvelle. Vous savez, même Gouzou est là. Regardez-moi ce joli paysage. En tout cas, c'est une randonnée facile. Là, je suis un peu essoufflé, c'est un peu normal. Parce que j'ai eu un petit périple avec mon drone. Donc, je l'ai perdu il y a 2 secondes. Bon, c'est pas grave. Voilà. Pour l'instant, on a encore des voitures. Mais c'est un moment où on n'en verra plus du tout. Allez. Je raconte ça au fur et à mesure du trajet. Ouais,
Ben nous, on est parti. Allez. Je vais faire un film entier. Mais bien sûr, on a tout le monde. On dit, oh, les escaliers poussent. Bon, les gars, c'est à 43 ans que mi de sang de ma fat. Bah, jamais de sang. Donc, si y a beaucoup comme moi, la gagne fait ça. Tout le monde pourra le faire, c'est sûr et certain. Ce qui paraît, c'est une randonnée facile. À ce qui paraît, comme la madame dit à moi devant. Tout est dans la tête, madame. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, le paysage, il est magnifique. Imagine Fleury, quoi, quoi, ton dieu, là. En tout cas, là, ce qui est le plus difficile, pour... c'est pas que c'est difficile, hein, c'est que on a beaucoup de roches glissantes et le sentier est mouillé. Je sais pas si vous voyez derrière moi. C'est pas compliqué, mais c'est glissant par temps de pluie. Donc là, on a traversé un fond froid. Ce qu'on va faire, on va faire direction La Nouvelle, par le sentier le plus facile. On a parcouru un bon nombre de kilomètres en voiture. On est passé par Salazy, Grand Ilette, voilà, tous les villages qui jonxent la commune de Salazy, pour descendre sur La Nouvelle. Donc tout à l'heure, on a vu l'hélicoptère. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de marcher, bah, y a le forfait hélicoptère, hein, avec Mafat Hélicoptère. Vous pouvez les retrouver aussi assez facilement, mais en tout cas, la balade vaut vachement le coup. Ici, on est au cœur du parc national, île de la Réunion. En tout cas, c'est des paysages magnifiques. Je dis à tout randonneur du monde entier, vous pouvez venir ici sans problème, juste en faisant très attention, c'est tout. Allez, on se rend, je donne rendez-vous un peu plus bas. Les amis, là on vient juste là-bas du centre, juste là-haut, là-bas. Et puis là, on est bientôt arrivé. Encore une heure, hein, bourrée de marche. En tout cas, les amis, moi ce qui me fatigue le plus, c'est pas le trajet à pied, hein. Du périple qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a fait à peu près 1h30, 1h45 de voiture. Donc nous on vient de la plaine des Cafres, sur les hauteurs de la Réunion. Donc ça se situe sur la commune du Tampon. On est à 1600 mètres pour venir carrément à l'opposé de l'île, du côté de Salazy. Donc descente Mafat pour aller à La Nouvelle. Le sentier est très très bien entretenu. Un sentier quand même assez mouillé aujourd'hui. Et avec des rondins de bois, c'est assez glissant quand c'est mouillé. Sinon pour l'instant, pas de détritus en vue. Ça qui est bien. Donc il y a quand même un respect de la nature, de la part de tout le monde. Donc ceux qui descendent là, moi je préconise que chacun ramène leur poubelle avec eux. Hein. C'est un geste citoyen. Et au moins les mafatés n'auront pas à le ramener en haut à dos d'hélicoptère. Tout le monde est responsable de leurs déchets. En tout cas ici, il y a des petites clairières qui sont super sympas. Moi avec tout mon attirail là, c'est pas facile. Si, c'est facile. Ça c'est un pied de tamarin. Oh. Donc endémique de l'île de la Réunion. Les petites feuilles, elles sont voilà, dentelées. Et après, elles deviennent uniques comme ça. Voilà. C'est comme ça. Pied de tamarin des hauts. En tout cas, c'est vraiment l'île intense. Là, on arrive dans une clairière. On est vraiment dans le fond. C'est magnifique. Voilà. On fait une petite pause. Après, pleine des tamarins. Donc, ça nous repose un petit peu en bas. Nous l'est à 1760. Tes impressions sur la descente? Plutôt sympa. Ouais, assez facile, on a couru comme des petits cabris. Ouais. Ouais. Non, on a parti doucement, t'es glissé et glisse. T'avais pompé de l'eau. Ah, demandez les impressions un peu à tout le monde alors. Tes impressions? Moi ça va, mais ça m'a abîmé les baskets. Hein. Regardez. Voilà. Bon.
Yes. Impression. Ça va. Ça va. Ça va. Bois de l'eau. Voilà, bois de l'eau. Elle est super, elle est à faire. Tout le monde est pas carré pour aller visiter un peu notre île, voir un peu la forêt, comment elle est jolie. Ça c'est quoi, on a d'autres mains, tablette de chocolat? Ah, mon chocolat non, parce que moi, pas une tablette, mais enfin, j'ai pas de la mienne. Un peu glissant, comment tu as trouvé toi? Joli mais glissant. Ouais. Fait peur un petit peu, va tomber. Là, celle-là, il gagne plus, elle se repose, elle médite, on sait pas. En tout cas, elle est facile la marche quand même. Donc, oui. Tu la recommandes un peu pour les gens, non? Oui, c'est super, en tout cas c'est familial. Nous vivons ça familial aujourd'hui et c'est très beau, regarde ça. Tu vois ça, celle-là? Comment elle est jolie? Notre île La Réunion. On est dans la plaine des Tamarins. Prends un chocolat, un chinois et moi, comment? Hein? T'as vu ça? Oh, on va pas haut. On ne peut pas voir si la famille ou on se hâte. Les amis, à partir de ce plot là, de cette borne, on est à 35 minutes de la nouvelle. Donc on va bientôt y arriver. La descente elle est facile, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Tout le monde peut le faire. C'est pour remonter les mecs. Donc il faudra avoir des bons mollets pour y arriver. Que voilà les amis, là on est à même pas à 10 minutes de la nouvelle, donc on est arrivé après ce périple, on a dû faire à peu près 1h45 voire 2h, mais en tout cas marche assez facile là. Donc que je recommande à tout le monde. Voilà les amis, l'annulé à la nouvelle. Donc annulé, ça s'appelle le relais de la nouvelle, c'est ça. Donc je vais vous emmener faire un tour en tout cas. La roche qui est derrière moi, elle est impressionnante. Impressionnante.
Je vais vous emmener faire un tour, on y va. Bibliothèque. Oui. Il y a des dortoirs. Toilettes, salle de bain, tout ce qui s'ensuit. Les escaliers, on va prendre les escaliers. Donc c'est pas mal en tout cas. Petit tableau sympa. Rick, Bob, François, ils sont en bas, chouchou. Ouais. Ma femme, Lolo, elle a eu du mal. Un petit peu fatiguée. Mais bon, ouais. Prochaine étape, grand bassin. Hein? Je vais faire visiter la chambre. Bon, extincteur, hein, bah, normal. Voilà. Toutes les règles de sécurité, tout ce qui s'ensuit. Paysage d'un côté. Je ne sais pas si vous voyez. Ouvrez la fenêtre. Un peu l'air, on aère un peu. De l'autre côté c'est pareil, votre vue mais de l'autre côté. Voilà, si c'est un peu moins idyllique, on va dire c'est sur les groupes électrogènes. Bon, il faut des groupes électrogènes quand même, de temps en temps, même si alimenté par des photovoltaïques. En tout cas c'est magnifique, Mafat la nouvelle. Vous pouvez le faire avec beaucoup de facilité. Très très simple. On va aller voir la chambre. Voilà la chambre. Donc on est au numéro 5. Voilà. Une chambre sympa. Ça va. Bien. Petit tableau. Des toilettes. Oh, c'est pas vraiment les toilettes, c'est juste le lavabo. Pour se brosser les dents le matin. Parce que les toilettes sont en bas, je vous ai montré tout à l'heure. Donc le lit. On va essayer ça, je sais pas. Bon, je vais demander à ma femme qu'est-ce qu'elle en pense. Ce qui est super, les amis, c'est la vue. La vue qu'on a ici. Là, je vais vous montrer la vue vite fait. On va passer avec l'autre caméra, c'est mieux. Ça, les amis, c'est la vue que j'ai de ma chambre. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Île de la Réunion, île intense. Là, on est au cœur du cirque de Mafat. On est obligé de descendre ici à pied, les amis. À pied. Donc après, il y a l'hélicoptère aussi. Hein. Bon. Mais bon, ça coûte un bras, une jambe. Et peut-être un œil en même temps. Regardez-moi ça. Moi, je m'assois sur le lit, hop. T'es sur le lit, tu te lèves, tu ouvres le truc le matin. Qu'est-ce que tu vois? Voilà, tu vois ça juste devant toi. Et c'est génial. En tout cas, c'est la vue qu'on a d'ici du relais. Si c'est mode dortoir, vous avez de la chance. Non, on n'a pas. C'est mode dortoir, voilà, lit double ici. Toujours, regardez le confort du lit. Donc Léa, c'est bon, elle a assez approprié le lit. C'est à elle maintenant. Voilà, elle est raccord. Bleu, bleu. Bleu, bleu. Non, je lui dis, les dos fait chambre pour que Léa. Arrête de déconner, chambre marmaille. Non, on va couler les deux matelas par terre. Regarde ça, c'est un lit à étage. C'est un lit à étage. C'est triste, hein.
Ah oui, là c'est triste. On arrive en premier. On s'arrive en premier, vous êtes en arrière. Maman, c'est la même chose, mais à l'envers. C'est celui qui arrive, Prums. C'est moi, Prums. Ah oui, elle a fermé la porte derrière moi. En tout cas, ici, la déco, elle est un peu plus sympa. Ici, style case créole. Donc, salle de bain, cabinet, et tout est là, quoi. Mais mienne, là-bas, elle est pas comment. Il y a un problème, hein. Non, je déconne. Où ça tu veux aller? Sur le bord. Quel bord? Celui-là, là-bas? Montre. La nouvelle, ouais. Donc elle va manger, je sais pas, un rougail saucisse, ça n'a fait comme ça, ouais. Moi, pour avec la dinde de riz, grain, la sauce, tout ça que miam. Bonsoir, Jean. Oui, allez-y. Ben, on va goûter le curry saucisse ou curry volaille. De la nouvelle. Grain la sauce, apéritif. Grain la sauce. Une va dire ça après. Okay. À la base, tu viens pour raconter. Madame, chanter. Allez, go. Là. Gueule, n'a la base, c'est gueule. Même si vous faites attention. Mago, bois pas. Allez. Allez, chin, à la femme, à la femme, à la femme, à la femme, la femme, les patrouilles, à la femme, moi je dis aux hommes. Les amis, là, ma fat c'est fini, donc. Baisement, et ça commence à arriver là, nous sommes montés. Donc avant de monter, grand périple d'aller chercher le drone sur le bord de rempart là-bas. Donc c'était complication, quoi. Donc mais j'ai eu le temps de m'échauffer, hein. Donc voilà. Là on retourne là-haut. Vous voyez là-haut, là comme ça, je sais pas. Pour des bons marcheurs, 1h30. Et baisement, elle est là. Allez, on se retrouve là-haut.
Allez Manon, on y va. Hein? Monsieur de papa, il tombe dans le chemin, on va ramasser Ali. Non. Non. Ça y est, ben ça, et vous voyez, la jeunesse de maintenant, hein, on laisse les vieux par terre. Non, on veut appeler l'hélicoptère. C'est les gens qui payent. Au revoir Mafate. Au revoir à jamais. Non, on dit pas à jamais, parce qu'on a vu de la nouvelle, la prochaine fois c'est Mafate Marla. Hein. Ouais, c'est dur. Là, on y va, les mollets va chauffer deux secondes là. Mes mollets chauffent déjà. C'est que le début. Au revoir l'église. Au revoir l'école. On va en chier, je sens que je vais en chier. Allez, punaise. Mais bon, je vais raconter l'histoire quand on sera là-haut. À mi-chemin. Donc nos sacs sont bien pleins. Ah. Joël à côté, ça va, il est en forme. Lolo, ah. Gaga, ben là les. Et Noémie aussi, elle est déjà devant. Non, c'est pas en direct. Regardez les amis. Hein? C'est pas du direct, là, c'est enregistré. Et là, Laura, on vient de dire heureusement qu'elle a bien mangé en bas. Ça la mange curry volaille. Ah oui. Curry coq pays, mais c'était un civet, hein. Civet coq pays avec. Ouais, c'était un civet, on dirait. Avec. Un petit boucané. Et là, nous ressent le boucaniste. Ah oui. Mais en même temps, t'es bon. Quand Noémie est devant, elle marche tranquille, à la force, à la jeunesse. Les amis, ça y est, là depuis la nouvelle jusqu'à ici, j'ai pris à peu près 45 minutes. Donc là, on repart sur l'expédition. Dernière ligne droite, dernier effort, direction Col des Bœufs. Bonjour. Et ça? C'est les escaliers de la mort qui tuent vraiment. Hein. C'est ça le plus dur. Sinon, c'est une partie de rigolade, quoi. Allez, les amis, là, le plaisir est fini.
On récupère la voiture et direction Salazy. Oui, on va manger avant. Donc après Salazy, nous continuons à descendre. Saint-André, retourne Saint-Benoît. Plein des familles, plein des cafés. Où ça nous était, Joël? T'es à la nouvelle. À la nouvelle. Et la prochaine fois, c'est quoi qu'on va faire? Marla. On a fait un total de 5 km 500. C'est donc à partir du col des Bœufs. Donc voilà. À partir du parking, on est à 1920 mètres. Col des Bœufs, 1960. Après, plaine des Tamarins. Donc où ça nous repose un petit peu en bas. On est à 1760. Et puis, départ chemin charrette, 1740. Et la nouvelle, voilà le point final d'arrivée pour nous, tel qu'on est hier. Quoi. Donc 1430. Voilà. En tout cas, c'est facile. Hein. Faut le faire. Ouais. Lolo, impression alors? Fatigué, mais génial. Fatigué, génial. Lionel? C'est facile. C'est facile, hein? Couteau dans le beurre. Allez, allons redescendre. Allez, on y va. Linda? Mieux la montée que la descente. Ah, donc c'était facile. On recommande à tout le monde. Oui. C'est comme si on mangeait un bout de pain, quoi. C'était pas. Tranquille, quoi. Hein, François? Brochette carrée, bon. Ah, au fin de manger, ouais. Ben, 2 euros, mais bon, même ça coque 2 aussi, là. Voilà. Non, encore? Ah, mais et alors, là. Merci. Oui, et l'impression qu'on était. Non, pas les brochettes, oui. La montée. Ah, la montée, si tu as faim, t'es un petit peu dur. Si tu as faim. Mais sinon, facile, comme un couteau dans du beurre. Oui, dis ça, oui, 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 comme couteau dans le beurre. Voilà, facile. Marine. Tranquille, posé dans l'auto, petite bibine et tout, hop, tranquille. Voilà. Donc là, le vous avez vu, les gars, mais c'était facile. À recommander à tout le monde. Hein. Oui, il y a des petits raccourcis qui sont un peu durs, mais c'est cool. Ah, bah, voilà. Je vais passer avec les commentaires des autres. Très belle, elle a dit. Alors Manon, une petite pomme. En tout cas, où l'été dernier pour nous en bas là-bas, on arrive premier. Ouais. Alors, tu recommandes à tout le monde la randonnée, oui. La nouvelle. Voilà. Léa, ça va. Ça va? Oui, ça va. Ou ça va? Facteur de ma fat. Vous recommandez à tout le monde aussi? Ah oui. Voilà. Trop gaillard. Trop gaillard. Viazot, Bana, touriste, tout riche. Alors Joé, comment était? T'es belle. La montée? T'es belle. Noémie? Super. Gaël? T'es dur. Non, dis pas ça. Si. Je peux dire. Super, les filles, les azotes, viens. J'ai battu par en bas. Les azotes, viens, ma femme. Difficile, non, c'est pas difficile. Non, il y a des boosters aussi, mais il y en a, c'est ouf. Non. En tout cas, je le recommande à tout le monde. Je sais pas si je suis bien cadré. Ça va? Voilà, donc je recommande à tout le monde. Donc viens, azote. Ici, l'île de la Réunion, l'île intense, l'île Oussana, toutes les jolies Bana. Viens Azote, touriste, viens. Par contre, les déchets, vous ramenez avec vous en montant.